Seigneur Jésus. Est-ce qu'on est prêt à donner avec la joie ce soir? Ah, je pensais qu'il y avait des porteurs et des porteuses de vie en ce lieu. Tu m'as dit que je suis béni. Tu dis, oh, je reçois que ton ciel est ouvert sur moi. Oh, je reçois. Et tu m'as dit que je suis prospère. Oh, je reçois. Que l'abondance soit mon partage. Oh, oh oui, papa m'a dit que je suis béni. Oh, je reçois.
On va le faire. Porteur de vie, porteuse de vie, je suis porteuse de vie. Appelés à influencer tous les domaines. Et nous croyons qu'en cette année, avec toutes les paroles qui ont déjà été proclamées, nous entrons dans ces paroles prophétiquement par l'action de grâce. Qui est prêt à parler de sa bonté en cette année? Qui est prêt à parler de sa bonté en cette année? On n'attendra pas la fin de l'année pour rendre gloire à Dieu. Non, on commence dès maintenant. Si tu le crois, pousse un cri de joie. Ce que Dieu a fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Sens-toi libre dans sa présence de le proclamer. Alléluia. Tout haut, tout haut. Ce que Dieu a fait pour moi, je proclamerai. Dit de marcher sur ta parole, Seigneur, je n'ai pas hésité, en cette année je verrai ta gloire, et toi je proclamerai ta bonté en tout temps, et la gloire de ton nom.
je le vois en esprit, c'est pour cela que je pousse des cris de joie. Je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Oui, moi je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je n'attendrai pas la fin d'année pour proclamer combien tu es bon, Seigneur. Proclamerai la parole de ton nom.
Commence à acclamer, en reconnaissance de ce qu'il fait et qu'il fera dans l'obéissance. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour nous? Qu'y a-t-il que tu n'as pas déjà accompli, Père? Accorde-nous la grâce juste de voir avec les yeux de la foi ce que tu as déjà fait. Alléluia. C'est la gloire de ton nom que nous proclamerons à jamais. Je me prosterne, Jésus.
Je veux.